Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII. Il est temps de continuer l'aventure. J'avais une pré-vibe, on va dire, de fin, mais on est trop près d'avoir eu le succès de la fête, la première partie. Ça serait vraiment ultra étonnant. Mais nous allons voir. Donc, let's go. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Oups, c'était maintenant qu'il fallait passer. Mais évidemment, sinon ce n'est pas mort. Là. Pas nouveau, mais. Pas nouveau. Redesigné, de nouveau. Wheel! Pas de chance. Mon bonbon fait pas beaucoup d'effets. J'aime ce stratif. Hein. J'étais un peu plus patient après ces rapides de sa première vie. Ah oui, c'est automatique, c'est un combat dès que tu te fais repousser. Ok. Ah, c'est vrai. Bon, on va essayer d'être patient. On a bien dû essayer. Pour ça, je vois quasiment rien. Moi. À partir du moment où je vois que c'est plus là, pour moi, que c'est bon, hein. Aéro 3. Bon, il est dégueulasse quand même. Visuellement parlant, il est dégueulasse. Bah, dès que je peux passer, je passerai. Hein. On se retrouve dans un instant. Bordel. Il a fallu le temps, mais j'y suis arrivé. Eh, elle est casse-couille celle-ci. Je la trouve beaucoup. Je la trouve plus dure que les précédentes, franchement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Tiff. Calme-toi. Tiff, la virade n'est pas loin. Tout peut arriver. Tout, mais ça fait beaucoup quand même. Nibelheim? Pourquoi? C'est une illusion? Il suffirait de l'auteur de cette illusion. Essaye de nous embrouiller. On va bien se passer. Maintenant que nous savons ce que c'est une illusion, on n'a pas besoin d'avoir peur. Venez, continuons. Oui, t'as raison. Regarde! D'accord, partons. Ce n'est pas Cloud? Qui est cet homme? Arrête, Sephiroth. C'est tellement idiot. Honnêtement, si on connaît les autres jeux Final Fantasy, est-ce que ce serait pas Zack, par hasard? Aucune idée, hein. Enfin, on peut le savoir à 100%, mais... Est-ce que ça aurait pu être Zack? Bon, comment sortir d'ici? Cloud, c'est une illusion. Ne t'en fais pas. Et... Maintenant... Arrête! Ça s'est passé pendant mon sommeil. C'est ce qu'il s'est vraiment passé il y a 5 ans. Mais... Il va sortir du château de Shinra, ce n'est pas moi. Il va encore essayer de nous montrer une de ses illusions idiotes. Regarde, ne l'avais-je pas dit? Ah, c'est toi. Tu vas bien, n'est-ce pas? Alors viens ici m'aider. On peut voir ça, Cloud, ne regarde pas.
Je vais fouiller cette maison. Et toi? Où celle là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai déjà dit, non? Au moment qu'on sait ce que c'est qu'une illusion, il n'y a rien à craindre. Ça va? C'était une illusion. Sephiroth, je sais que tu écoutes! Je sais ce que tu veux dire. Gars, d'accord, je n'étais pas Nilbolheim. C'est ça, non? Je vois que tu finis par comprendre. Je comprends bien, tu veux me déboussoler. Mais tes stratagèmes ne m'atteindront pas. Je me souviens de tout. La fournaise de l'incendie. La douleur dans mon corps et dans mon cœur. Ah oui. N'est qu'un pantin. Tu n'as pas de cœur et tu ne peux éprouver que de douleur. Comment les souvenirs d'un tel être pourraient-ils avoir un sens? Ce que je t'ai montré, c'est la réalité. Et l'illusion. Ce sont tes souvenirs. Comprends. Je ne veux pas comprendre. Mais je veux te demander une chose. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Je veux te ramener à la réalité, voyons. À celui qui m'a remis la matière noire ce jour-là. Qui croirait qu'une expérience ratée serait finalement aussi utile? Ojo amourait, s'il savait. Ojo? Qu'a-t-il à voir avec moi? Il y a 5 ans, tu as été fabriqué par Ojo. Pièce par pièce. Juste après l'incendie de Nibelheim. Un pantin fait de fragrantes cellules de Genova. De son savoir. Et du pouvoir de la Mako. Un clone incomplet de Sephiroth. Sans même un miroir. Telle est ta réalité. Bonsoir. Cloud, n'écoute pas. Bouge-toi les oreilles, ferme les yeux. Qu'y a-t-il, Tifa? Ça ne m'affecte pas. Je ne faisais pas attention à lui. Toute cette histoire est un mensonge. N'avons pas de souvenirs communs. Notre enfance passée ensemble. Les nuits étoilées. Tifa. Pourquoi ces mots t'inquiètent-ils et t'effraient-ils? Veux-tu que je montre à tous ce que contient ton cœur? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tifa. Sephiroth disait-il vrai? Cloud. Pourquoi as-tu si peur? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Malgré ma confusion, je ne croirai jamais un mot de Sephiroth. Par contre, si tu commences à croire à toi à y croire, ça va commencer à venir dangereux. C'est vrai, parfois je ne sais plus très bien qui je suis. Tout semble se brouiller dans ma mémoire. Mais Tifa. Tifa, tu m'as dit. Ça fait un bail, Cloud. Ces mômes me soutiendront toujours. C'est avec moi que tu as grandi. Je suis Cloud de Nibelheim. Même si je perds confiance en moi, c'est la vérité. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir si peur. Peu importe ce que les autres me disent. Ton attitude qui compte. Non, c'est faux, Cloud. Qu'est-ce qui est faux? C'est pas avec moi. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai grandi avec toi? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je ne peux pas exprimer par des mots. Cloud, j'ai besoin de temps. Donne-moi juste un peu de temps. Cloud, ne blâme pas Tifa. La capacité de modifier l'aspect, la voix et les paroles de quelqu'un, c'est là le pouvoir de Genova. À l'intérieur de toi, Genova s'est confondu avec les souvenirs de Tifa. Et t'as ainsi créé. Les enfants présents dans les souvenirs de Tifa. Un garçon du nom de Cloud pourrait bien en avoir fait partie. Cloud. T'en prie pour l'instant, ne réfléchis pas. Réfléchis, Cloud. Cloud, oh, excuse-moi. Tu n'as jamais eu de nom. Tais-toi, Sephiroth! Je ne comprends toujours pas. Alors,
Rappelles-tu la photo que nous avons prise avant de partir pour les monts Nibel? Tifa, te souviens-tu donc? Il est impossible qu'il soit au courant. Bon. Qu'est-il arrivé à cette photo? C'est... ça. Tu veux voir? Ça avait marché. Cloud, ne... Je devrais être sur la photo. Même si je ne suis pas. C'est pas grave, ce serait qu'à mon illusion inventée par Sephiroth. Et surtout, pourquoi elle se trouverait spécifiquement sur ce cadavre? Bien entendu. Ouais, je crois que c'est Zack. Il semble y ressembler. Que je pensais. La photo est truquée. La vérité est dans ma mémoire. Il y a 5 ans, je suis revenu à Nibelheim pour inspecter le réacteur. J'avais 16 ans. La ville n'avait pas changé du tout. Et je fais... Ah oui! J'ai vu ma mère. J'ai vu le genre de la ville. J'ai passé la nuit et je suis allé voir le réacteur dans les monts Nibel. J'en étais tout agité. Parce que c'était ma première mission depuis que j'étais devenu première classe dans le soldat. Soldat. Première classe. Soldat. Mais comment est-ce que je suis entré dans le soldat? Comment intègre-t-on le soldat? Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas m'en souvenir? Je suis... C'est bien. Je n'avais pas à m'inquiéter parce que j'étais. Cloud? Allons, Tifa, ça va. Wouah, c'est incroyable! Dans la glace, y a pas des trucs. Rien que de la materia. L'extérieur est riche en énergie, Mako. L'intérieur est un trésor de materia. C'est vraiment la terre promise. La terre promise est une invention. Une légende, une histoire de bonne femme. Absolument ridicule. Tout est comme j'imaginais, merveilleux, non? C'est le manque d'imagination qui fait de toi un scientifique de deuxième rang. Que se passe-t-il? Ça va être l'intérieur du mur! Il y a quelque chose là-dedans qui bouge! Là. Alors, ça existe vraiment. Moi qui n'y croyais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arme. Des monstres créés par la planète. Ça apparaît lorsque la planète est en danger, ça réduit tout à néant. Ce qui est indiqué dans le rapport du professeur Gast. J'appuie très fort. Où est-il? Là. Juste là. Il y a beaucoup de choses pour toi. Comment vont le Cloud et les autres? C'est dur à croire qu'un tout petit peu de matériel puisse détruire la planète. Évidemment! On va bien? Que se passe-t-il ici? Où sommes-nous? Ne me laisse pas seul! Atresse, tu es là? Je suis si heureuse! Tifa? Chose étrange, soudain le noir se fait et apparaît, tout le monde disparaît. Comment t'attends? Cloud t'as des ennuis. Viens s'il te plaît, aide-nous. C'est par ici. Ok. J'ai du mal à suivre, en résumé tout ce que je dois faire, si elle est, non? Allez hop! Mais souviens-toi. La matière noire.
Monsieur le Président, ça tourne à nous dire à qui vaille. On devrait peut-être retourner au vaisseau maintenant. Nous devons nous préparer pour l'inspection de toute façon. Hé hey, d'où viens-tu toi? Je sais pas. Ça va barder. Je ferais mieux de me laisser me charger de tout et de partir tant que tu le peux. Te laisser te charger de tout. Je ne comprends pas très bien. C'est là que la réunion se déroule entièrement. Où tout commence et finit. Cloud! Je suis là. Je vais t'aider, Cloud! Ah, ok. Difficilement, mais il veut bien avancer difficilement. On avance doucement, mais sûrement. Voilà. Merci, Retresse. Où est la matière noire? Alors, tu sais, je la garde. Je vais la prendre. Donne-moi la matière noire. Tu n'entends pas ma voix? Va bien, Cloud? Et puis, tu es arrivé. Tu n'aimais pas trop regarder ce truc. Non, pas ça! S'il te plaît, arrête, Cloud! Merci. Le reste. Je m'en charge. Allez, la matière noire! Attends, juste un moment! Merci pour tout, vous tous. Et... excusez-moi. Désolé. Désolé. Surtout envers toi, Tifa. Je suis vraiment désolé. Tu as été si gentil pour moi. Je ne sais que dire. Je n'ai jamais été digne de... Cloud. Tifa. Peut-être qu'un jour tu rencontreras le vrai Cloud. Parfait. Ça signifie que mon expérience a été un succès complet. Quel numéro portais-tu? Où est ton tatouage? Monsieur Rojo, je n'ai pas de numéro. Vous ne m'en avez pas donné parce que vous avez dit que j'étais une expérience ratée. Que diable? Tu veux dire que seuls mes échecs se retrouvent ici? Professeur, donnez-moi un numéro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, professeur. Ferme-la, misérable échec. Yes. C'est un clone de Sephiroth que j'ai créé après la mort du vrai Sephiroth. Il y a 5 ans. Ce sont les cellules de Jeva et l'Ergimako, ainsi que mon savoir et mes talents alliés à la science et à la nature qui ont donné vie à ce clone de Sephiroth. Je n'aime pas l'idée que ce soit un échec. Mais la théorie de la réunion de Genova a été vérifiée. Tu vois, même si le corps de Genova est dissocié, il finira par se reconstituer. C'est ça la réunion de Genova. J'attends depuis longtemps le début de la réunion. 5 années ont passé. Mais maintenant les clones ont commencé à s'en retourner. Je pensais que les clones commenceraient à se réunir à Midgar, où Genova est conservée. Mais je me suis trompé dans mes prédictions. Nova elle-même a commencé à s'éloigner du bâtiment Shinra. Donc je suis un génie, je m'en suis vite aperçu. Tu vois, tout cela a été l'œuvre du seul Sephiroth. Sephiroth ne se contente pas de répandre sa volonté dans la rivière de la vie. Il veut en plus manipuler lui-même les clones. Oui, c'est ainsi que ça a commencé. Je me suis demandé où les clones allaient. Mais je n'ai jamais compris. Je n'ai pas compris moi non plus. Mais ce que je savais, c'est que Sephiroth avait atteint la destination finale. Je ne poursuivais pas Sephiroth. J'étais appelé par Sephiroth. Avec toute la colère et la haine que je lui portais. Il m'était impossible de le chasser de ma mémoire, ni d'oublier cela.
ou ce qu'il m'avait donné. Sephiroth, je suis là, et je t'ai apporté la matérielle noire. Montre-toi. Où es-tu? Oh, je peux marcher. Sephiroth. Ah, si on se retrouve enfin. Tu as vu? C'est Sephiroth, alors il est ici! C'est parfait! À la fois la réunion de Genova et la volonté de Sephiroth. Elles ne sont pas répandues dans la vie d'un vie. Mais réunis ici! Qu'est-ce qui vous prend, monsieur le professeur? Vous savez ce que ça signifie, non? Cloud à la matière noire! Sephiroth va convoquer le météore! Tout le monde va mourir! Comme je le dis maintenant, c'est trop peu trop tard. Nous devons évacuer. Je vais vous venir avec moi tous. Il y a encore beaucoup de choses que je veux entendre. Cloud! Non! Arrête, s'il te plaît! Cloud! Ce sont les armes. Ou l'arme. Je trouvais qu'il y en avait plusieurs. Ah, il y en a peut-être qu'une. Putain, il y a son camp. Non, il y avait un peu bizarre, ok ça. Ok. Pour l'instant, je m'arrive. Ah, Tifa, Cloud. Cloud! Je ne contrôlerai rien. Je ne savais pas quoi faire. J'ai été toujours comme ça. Qu'y a-t-il? Oh. Pauvre enfant. Que ça va? Tifa?
Tifa? Tifa! Oh! Cloud! C'est bien ça, je suis Cloud. C'est vraiment toi, Cloud? J'avais pas pensé te retrouver ici! Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Ah, ce n'est rien, ça va. Ça fait combien de temps? Cinq ans. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait vraiment longtemps. En fait, ça fait 7 ans. Tu as rejoint les soldats comme tu le voulais. Tu es parti après l'accident avec Sephiroth. Et maintenant, tu es un mercenaire. Tu m'as longuement raconté ce qui s'est passé après ton départ à Nibelheim. Mais il y a quelque chose de bizarre. Les choses que tu m'as racontées m'ont laissé une impression étrange. Que tu ne savais pas, et que tu aurais dû savoir. Ce que tu n'aurais pas dû savoir, que tu savais. Je voulais connaître la vérité. Mais on m'a dit alors que tu partais très loin. Mais je ne voulais pas. Je ne savais pas que faire, j'ai donc pensé qu'il me fallait plus de temps. C'est pour ça que je t'ai parlé d'Avalanche. Je voulais être avec toi. Prendre soin de toi. Bon, après le noir. Le blanc. Bon. Avancer, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à faire. Ah, merci. Bah, là, je pense pas que ça soit passé. Ding. Hein? Cette lumière. Elle est très flash. Je vais toilette aller mieux, tu as dormi pendant longtemps. J'ai... faim. Tu ne poses pas de questions. Sur lui. Ah, merci, c'est mieux pour les yeux. Parce que j'ai peur. Ne t'en fais pas, je ne sais pas non plus ce qui est arrivé à Cloud. Faudrait mieux pas que je te dise de ne pas t'inquiéter. Personne ne sait s'il va bien. Il est encore en vie, non? Pendant combien de temps ai-je dormi? Voyons, ça doit faire 7 jours? Et Sephiroth, tu n'es pas encore au bout de tes peines. Tu te souviens de cette grande lumière de la grotte nord? Depuis, le cratère a été encerclé par un anneau de lumière. On sait tous que Sephiroth dort au fond de cette cavité, protégé par cet anneau. On peut rien faire malheureusement, on va juste attendre qu'il se réveille. Et pour qu'on ait le tout, un gros monstre appelé Arm a fait des dégâts. Arm? Tu te souviens de ce gros monstre qui se trouvait avec Sephiroth au fond du cratère? Et bien, s'il est maintenant revenu à la surface, on dit que c'est un de ces monstres légendaires surgis du passé. L'arme protège Sephiroth. Je ne sais pas. Mais il est ici, il détruit tout ce qu'il se trouve sur son passage. En ce moment même, se refuse de se battre contre lui. Faut quand même l'avouer qu'il a du cran. Nous avons dû faire en affaire notre affaire, mais on n'a pas le temps. Le temps. Et le météore? Le météore est en route. Ah, ça met bien la pression, hein. Là, je peux bouger. Je me demandais quoi. On doit vraiment abandonner? Je ne sais pas.
Le cloud viendrait tous vous sauver. Je voulais aussi avoir de nouvelles de cloud. Qu'est-ce que tu vas faire, cloud? L'alter ego de Sephiroth. Le météore a été invoqué. En fait, ce n'est pas fini. On n'a donc plus besoin de toi maintenant. En fait, si. J'ai une petite chose. Président, tu es prêt pour l'exécution publique? Ah ouais! Exécution? Qu'est-ce que ça va changer de nous exécuter? Vous devez être exécuté pour avoir créé cette situation. Les gens n'ont pas grand-chose dans la tête, ils auront mieux s'ils savent que quelqu'un a été puni. C'est tout ce que j'ai pu dire de gentil sur cet imbécile! Profitez alors de vos derniers moments ensemble. Laissez-moi vous attacher les bras. Là, je contrôle. Voilà. Ah, je peux pas y aller. Ok. Oh, pas sauvegarde. Bonjour. Ah, j'ai Tifa et Barrett. Ok. Ah, Barrett a été level up, par contre, là. Disons-le. J'ai autre chose, oui, j'ai autre chose. Par contre, j'ai autre chose. Je sais pas, je suppose on va finir par s'en sortir. Hein. Donc, je vais lui mettre autre chose. Je vais lui mettre quelque chose. La mouche qui commence à m'emmerder. Ah, c'est bien, j'ai récupéré le dos. C'est bien. Je le mettrai bien à Tifa après. Ah, Tifa, elle a sûrement déjà tout ce qu'elle. Tout ce qu'elle a. Ouais, c'est ça, elle avait tout ce qu'elle a. Donc je vais lui laisser. Et les matérias. Matérias. La mouche, tu commences vraiment à m'ennuyer. Les supplémentaires, si je peux retrouver. Ifrit. C'est comme ça que j'avais réussi à avoir le fait que j'étais immunisé un peu au feu. Élément de base. Je crois que c'est élément de base. On va quand même rajouter la super magie là. Lobo va mettre Bahamut et Néo Bahamut. Et super chance peut-être. Voilà. Ouais, c'est enregistré tout simplement aussi d'ailleurs. Ah, je ne sais pas s'il a une arme kaku distance, il faudra vérifier la prochaine fois. Tout le monde est là? Voici ceux qui sont à l'origine de cette catastrophe. Bon sang, qui sont ces gens? Un misérable mort sera diffusé sur nos chaînes de télévision nationale. Dis le grand là, juste à côté de Tifa. Ce serait pas Kaycite? Non mais sérieusement. Genre un manteau comme ça, c'est pour cacher. On est d'accord. Bon, on verra bien. Votre misérable mort sera diffusée sur nos chaînes de télévision nationales. Scarlett, pourquoi avoir organisé une exécution publique à notre époque? Les rapports sur le métro ont semé une telle confusion qu'il nous faut absolument nous rallier à l'opinion publique au plus vite. Il vaut donc mieux punir quelqu'un, qui que ce soit. Ça me dégoûte. Mais nous n'avons jamais les voués. Mais ce genre de choses qu'ils adorent tous. On va commencer par cette fille. Si tu veux vraiment faire ça, commence d'abord par moi!
Camara par là, surtout, filme ce qui va suivre. Le public raffole les adieux dramatiques. Ah oh ouais, la chaise électrique. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est ma chambre à gaz préférée. Ah non, une chambre à gaz. Ok. Prends ton temps. Apprécie les joies d'une mort lente et douloureuse. Espèce de sale garce! Alors, elle nous a giflé juste pour pouvoir donner la clé. J'ai pas capté. Le spectacle va bientôt commencer. Attention, attention! L'arme approche! Ordre à tout le personnel militaire, à vos postes! C'est l'arme! Courez! Au secours! Hé, vous tous! Pourquoi maintenant? T'en sens comment maintenant, Scarlett? Je t'ai pas échappé? Ça m'étonne. Comment je me sens? Pour le moment... Un gaz qui fait dormir? Je l'avais dit que c'était... Case it. Oh, vous savez quoi? Ah, je... Oh, c'est bête, ça. Le néo-amul qui fait des dégâts sur une seule personne. Quoi, il faut que nécessairement je lui mette un tout pour que ça attaque tout le monde. Oh, et que c'est casse-couille ce truc. Oh, il est venu sur surélevé. C'est sûrement moi qui n'ai pas vu la deuxième flèche. Il est super cool. C'est bizarre d'avoir différents Bahamut. C'est la première fois que je vois ça, mais. Entre guillemets, c'est un peu dommage que ce soit donné comme ça. Tous les deux sont niveau 40. Ok, ça va. Je suis là pour donner un coup de main. Toi, tu n'interpellerais pas à la Shinra. Je suis contre la peine de mort. Et je n'aime pas vraiment cette mission. Viens, on doit aider Tifa. Monter la garde à l'entrée. Si je tapais ça, interrupteur. Possible d'ouvrir. C'est l'arme. On a eu tellement ces derniers temps. Est-ce qu'on peut s'en occuper? D'une façon ou d'une autre. Quels sont vos ordres pour l'attaque? Pas besoin de poser la question. On va tirer dessus avec notre canon. Ouvrez les portes du canon! Activez le canon! Visez! Arme! Pas juste là pour faire décoration, ok. Enfin, le contraire aurait été étonnant d'ailleurs. Tout est prêt! Le canon. Feu! Un pétard mouillé.
Ce serait étonnant, mais... On l'a eu. Ça en a tout l'air. L'arme se dirige vers nous. Assurez les gens, plaçons-nous. Vitesse, 50 nœuds. Possible, on a touché la cible. Et le canon? Tout le temps pour charger. Alors en attendant, qu'ils ont de la poudre ordinaire. À vos ordres, ouverture de toutes les portes d'artillerie. Visez l'arme. Ne la laissez pas atterrir. Vitesse 70 nœuds! L'arme se rapproche! C'est pas bon, il attaque! Au secours! Sauf qui peut! Et le drame fou. Le gaz! Prête à l'aide! Prête à ta respiration! Retiens-la le plus longtemps possible! Vierge, je peux pas rester éternellement sans respirer, moi! Il fiche! Pas dire un autre terme. Bon. Moi, j'ai pas de compteur, c'est déjà ça. Est-ce que je peux parler à Mister? Timide. Chambre gaz est probablement fermée depuis une autre pièce. Changer de plan d'abord, quittons cette pièce. Tifa, je vais revenir, je te le jure! J'en ai profité pour équiper Kaixit. Non! Ici aussi c'est verrouillé! Mais si, vous ne pourrez plus sauver cette fille maintenant! Sans. Donc ça doit être le garde qui a laissé tomber la clé. Ok, ok, il est temps de suivre le plan B. Pont vers l'aéroport. Pont vers l'aéroport. Tu veux laisser Tifa ici? Fais-moi confiance, on doit tenter notre chance. Comment tu veux qu'on fasse confiance à un espion? Non mais sérieux, c'est quoi cette phrase? Fais-moi confiance. Ça te sort, ok. Du message. Ah ouais. Et ça vole pas. Ça pique, hein. Dis, c'est pas youfi. Tu es pressé, mais laisse-moi juste te dire une chose. La ferme, je l'embrouillais. Arrête de faire trop de bruit, c'est moi, Youfi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, on doit rejoindre l'aéroport. Ouais, j'ai équipé Yuffie, j'ai oublié, pas grave, on fera ça après.
Je les ai jamais level up, c'était Yuffie. Et on nous a quand même refourgué niveau 40. Et Barrette n'était pas niveau 40, donc on l'a mis niveau 40. Bon, Yuffie niveau 39, mais bon, elle est quasiment 40. Hein. Quand même d'abord l'équiper, on se retrouve dans un Anistop. Voilà, ça c'est fait. J'oublie à chaque fois que c'est le bouton et pas un coffre. Bon, maintenant. On doit aller sur celui de droite. Changement d'armadoc ou quand je fais les changements. Marrant. Ah ouais, elle fait presque deux fois plus de dégâts. Youpi, max limit. Et enfin je l'utilise, donc ouais, petit succès. Kaïsite aussi, je crois que je l'ai encore jamais utilisé. Encore que, je ne sais plus. Si on a l'occasion à un moment donné, on le saura. Après, je sais pas si c'est là que je dois aller. Hein. Ah, je sais pas si j'en ai deux. J'ai l'impression que Luffy, je pourrais la mettre derrière. Ouais, je vais pouvoir la mettre derrière. Ça va prendre moins de dégâts. Ok, bah, je fais ça et bah, je continue à essayer d'aller jusqu'à l'avion. On se retrouve dans un S. Oula, tout le monde est à qui level up. Et potion X, ok, cool. On a qu'à essayer de mettre utiliser son multi. On va arrêter dessus, ça doit passer. C'est pas un boss, c'est un boss comme ça qu'à pop. Bon, grenade, c'est donc Barrette d'abord. 5000, joli. Donc KC, ça sera pour le prochain combat. Par contre, j'ai pas pu aller à droite, donc je dois continuer du côté gauche. Encore des potions X, le bordel. J'essaie d'aller du côté gauche alors cette fois-ci. Je peux pas aller devant, je peux pas aller derrière non plus. Est-ce qu'il y a un passage sur le côté gauche? Non plus. Ah ah, est-ce que je suis monté pour rien? Peut-être que oui, peut-être que non. On va vérifier si le Kaisit avait déjà... Oui, je crois que je les avais déjà fait. On va vérifier, mais je crois que c'était le cas. D, ça me dit quelque chose. Ouais, j'ai pas le succès, donc c'était le cas. Ok. On termine le combat, puis bah, je tenterai de trouver la sortie. Hein. Tout simplement. Voilà. Là, Yuffie sera bientôt niveau 41 aussi. Bon, pour la sortie, on se retrouve dans un instant. Il fallait bien venir ici, mais il y avait un passage. Donc, où j'y allais avant, ça passe à pas. Hé là, tu crois vraiment que c'est le bon chemin? C'est un cul-de-sac! Je me suis trompé? Espèce d'imbécile! Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire maintenant? Faut bientôt tous débarquer! Vaut mieux que tu gères ce qui arrive par derrière, partenaire. Tes pieds ou tes bras? Puis toi de ta tête pour sortir de la chaise. Menu tête. Ok, changer bras droit, bras droit. Ok.
C'est différentes combinaisons. C'est là, ça c'est deux mouvements en même temps. Ah ok. Ah, tu vois, c'est ça. J'essaye, mais... Il n'en veut pas pour l'instant. Les jambes, je sais faire annuler. Bon, ça, c'est pour les jambes, wink. Ensuite, j'aurais voulu faire tête et jambes en même temps, mais il n'en veut pas. Ah si, voilà. Faut que je massacre. Faire tomber, c'est ça? Ah non, je l'ai. Donc maintenant, je dois juste faire la tête. Ah, maintenant, je dois faire la tête et le bras, c'est ça. Voilà. L'autre bras. Non. Ah voilà. Juste le bras, celui-ci, ça passe. Les boutons pour arrêter le gaz. Et c'est quand même pas une bonne idée de reprendre directement hein, la respiration. Gueule. Ah oui. Un tir. L'arme morte. Ok. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Hey, ouvre! En premier lieu, tu m'enfermes dans cet endroit de mort et maintenant tu me dis de ressortir? Décide-toi! Parfait. Bon, on essaie de descendre. Je crois qu'il y en a qui est mort. On a sauté ou... Ouais, on a sauté, ça va. Ça doit pas être agréable, mais on a sauté. Je dois aller juste par là. Ouais, je dois juste aller par là. C'est étonnant que je vais jusqu'à la mer, mais ok. Sister Ray. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ouais, c'est parce qu'il me semblait, il y avait un truc là, mais comment je peux y aller? Ah voilà, comme ça. Petit jeu de cache-cache, prends donc Fa. L'exécution a peut-être échoué, mais ça peut encore être amusant de devoir mourir, tomber et finir dans l'eau en bas.
complètement hors d'état. Arrête de me gifler, vieille peau! Mais je m'attraille. Je mitraille le bouton. Et tant que tu payes, cours. Cours jusqu'au bout du canon. Et attrape. Merci, quand même. Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Est-ce que l'avion est à nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est temps qu'on aille l'aéronef du jeu? Ça va? J'ai un peu de mal à la mâchoire. Bah oui, mais je mitraillais, tu faisais pas ce qu'il fallait! Ça finit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, je verrai les détails plus tard. Quoi qu'il en soit, le haut vent est maintenant à nous! Je crois qu'elle a le mal de transport. Eh bien, ça me fait plaisir que tu ailles bien. Je vais rester un peu ici, pas plus longtemps. Ah, je suis en dessous, ok. Cockpit par là, ok. Ça, les opérations. Chocobo, ok. Ça perd les popettes. Pourquoi tu ne nous avais pas dit que tu savais piloter un aéronast? Un aérostat? Je pensais que je devrais dire au revoir à Tifa. Excuse-moi, il fallait que je fasse quelque chose pour tromper l'ennemi quand même. Allez, tout le monde attend. Tout le monde attend. Tout le monde est là? Bienvenue à bord de mon aérostat, le haut vent. Ne pas. Ça va être plus enthousiaste que ça. C'est... Ouais. L'équipage est insuffisant. Enfin, je vais te donner les avancées sur la chaîne là. Demande-moi s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y en a pour tous les goûts. Pourquoi ce visage triste? Nous entendons que sans Cloud, nous n'avons aucun espoir. Ça veut dire que seuls, nous ne pouvons pas sauver la planète. Le météor arrive et l'arme se déchaîne. Face à une telle situation, je ne sais pas quoi faire. Aucune idée. Reprends-toi, Tifa. Allez, réfléchissons. On ne voit pas comment nous pourrions abandonner au point où on en est. Si seulement Cloud était là, tu irais bien. Cloud serait. Essaie de te mettre à sa place. Et dis-nous quoi faire, gros malin. Il dirait, tout va bien, Tifa. Tifa, de quoi est-ce une poule mouillée? Pardon, Barrette. Je ne suis plus moi-même, je suis si déprimé. Et Tifa, la raison pour laquelle nous avons tous pensé que c'était Cloud vient du fait que... Je sais. C'est pour ça que je veux m'en assurer. C'est pour ça que je dois le revoir. Je suis tellement content que tu ailles bien, Tifa. Quelque chose que je dois faire. Quoi? On doit toujours être dans les parages? On s'en est bien sorti sans lui au début. Qu'est-ce qui est arrivé à cette coriace de fille? Où est-elle passée?
veux que tu saches que je n'avais rien contre lui. Il faut admettre que c'était un type étrange. Au moment où vous pensiez qu'il était calme, lui se mettait à faire des choses complètement dark. Quand vous pensiez qu'il était sage, il faisait l'idiot. Touchez lui, de ses gestes à ses propos étaient étranges. En prenant un peu de recul, je comprends pourquoi il était comme ça. Eh bien, quand tu as envie, tu peux espérer le revoir un jour. Regarde le mal, petite sœur. Le reverra un jour. Si nous parvenons à savoir où il est, le vent nous y emmènera en un rien de temps. Peut-être. Cloud est toujours bloqué au fond du cratère nord, plus que le sol s'est fissuré et l'a avalé. Enterré dans les entrailles de la terre. Au plus profond de la terre, es-tu en train de parler de la rivière de la vie? La rivière de la vie jaillit parfois en surface, grâce à des fissures au fond de l'océan. Il paraît que ce genre d'endroit existe. C'est donc ce qu'on va chercher alors. Peut-être, oui. Peut-être que Cloud est toujours en vie. Ok, mais je contrôle comment moi ce bazar? Salle des opérations peut-être en fait. Ouais, il était marqué salle des opérations, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, ça veut juste dire ok. Partons. Va parler au capitaine Sid. Ok, le chocobo. Vu que je ne fais pas de tout ce qui est chocobo par bénéfice, j'en ai pas. Je m'ennuie, j'aimerais bien montrer à chocobo. Putain. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je ferais. Et donc, je sais que je louperais peut-être certaines choses s'il y a des chocobos. Il y a. Quoi qu'on a fait les chocobos, il y a des choses qu'on peut faire avec eux, mais voilà, c'est pas grave. Détail. On va nous savoir où il est, l'ouvre. Ah, on va rien dire de plus. Dis pas, je te donne des informations, ok. Ok, rien de plus non plus. Bon, ça va. Pas de nouveau. Courage, Tifa. Pas de nouveau. Pas de nouveau. Comment je contrôle cet appareil, bordel? Pilote en entraînement N3. Waouh, Capitaine Sid! Tifa, excuse-moi, mais je dois montrer à ce crétin comment faire atterrir l'aérostat. Ne t'inquiète pas, ce sera fait dans une minute. Oh, et Tifa, quelque chose dans le logis? Objectif, les préparatifs doivent être méthodiques. Va dans ta chambre et prépare-toi pour notre opération. Ok. Dans la chambre. Elle est où la chambre? Je veux bien, mais il est marqué pour le chocobo, il est marqué pour la salle des opérations. Et après? Elle est où? J'ai vu beaucoup de choses dans ta chambre pour l'opération. Alors, range-les. Bon. Je cherche la chambre. Oui, je sais que ça fait un peu long, mais je voudrais bien sauvegarder. Pour l'instant, je ne peux pas. Je ne pense pas. Exact. En parlant à ce gars, il est marqué piloter le restat. Ok, avancer. Derrière, ok. Coller le pont. Descendre en altitude, monter en altitude, c'est pas vrai. Ok. Ok, donc c'est pas pour tout de suite. Ok, ça va. Le mec me dit un message différent. Tifa, tu as fait du bon travail. Donc je peux faire mon équipe ici, ok. Bon bah déjà on va prendre Vincent, c'est logique. Et après on va prendre qui? Bah Barrette. Logique, on va voir là. Et après ça. Un truc comme en PHS. Ah, je peux me soigner, je peux sauvegarder, bah voilà. On va donc pouvoir se laisser ici. Quoique, non, pas encore. L'épisode va être un poil plus long.
Mais je vois, si c'est vraiment notre vaisseau, j'aimerais bien pouvoir qu'il soit contrôlable. On va retourner voir de nouveau. C'est des tout le travail. Mais s'il est contrôlable, c'est-à-dire que je peux naviguer sur sur la carte. Et donc potentiellement faire des trucs entre les vidéos. Ok, content de me signaler quand tu passeras à la vitesse maximale. J'attends l'entraînement N4. Oh, on part? On part. J'attends l'entraînement N4. On décolle! Ah, voilà. Et d'ici, je peux sauvegarder. Non, d'ici, je retourne. Ok, ça va. On va juste un peu vérifier les commandes. Voilà. Là, je peux tourner. Ok, ça va. Et ça monte tout seul les altitudes par rapport à ce qu'il y a sur la carte. Ok, ça va, c'est cool. Le vaisseau est pas dégueu, je dois bien l'avouer. Ok, bah je vais donc voir s'il n'y a pas des choses à faire avant le prochain épisode. Et on se retrouve bien entendu dans un instant. Enfin, dans un instant, dans un prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like. Mais également... Oh, je peux aller au-dessus des... Je peux vraiment aller partout. Au-dessus des montagnes et tout. Ouais, c'est bon ça. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Qu'est-ce que c'était? C'est passé devant nous comme un cours électrique. Fais attention à ça, ok. J'étais en train d'avoir du fun un peu sur la map et là je me fais juter. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.